Bonjour. Je vous partage ma réflexion avec le texte de Marc, chapitre 13, versets 24 à 32. J'ai retranscrit le texte sous cette page pour une meilleure compréhension. Quand et comment la fin de notre vie? Quand et comment la fin du monde? Quand et comment la venue du Fils de l'homme, le retour du Christ? Voilà bien des questions qui nous habitent, comme les apôtres et les premiers chrétiens, et nous encore aujourd'hui. Jésus ne répond pas selon l'attente de ses disciples, ne répond pas immédiatement, comme nous le souhaitons, à beaucoup de nos questions. Il nous demande d'être attentifs au quotidien, à la profondeur des signes simples et profonds. Il renvoie à des signes simples comme la floraison du figuier, arbre de la connaissance dans la Bible, comme au signe profond de la floraison de la croix, comme à la reconnaissance de son mystère pascal. La réponse de Jésus est déconcertante. Le jour et l'heure, personne ne les connaît, pas même Jésus. Jésus qui vit sous le regard de son Père ne sait pas la réponse, car ce questionnement qui cherche la maîtrise de la vie, n'est pas le sien. Lorsqu'il nous semble que le ciel nous tombe sur la tête, réalisons que nous sommes conduits au lâcher-prise pour nous appuyer sur la seule parole qui sauve, celle de Jésus, Fils de l'homme et Fils de Dieu. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. C'est bien ce que dit Jésus. On ne comprend peut-être pas. Il faut plutôt se demander, si dans notre quotidien, nous sommes vides d'espérance, si le soleil brille dans nos regards, si nous sommes des restaurateurs d'espérance, des organisateurs d'espérance, pour reprendre l'image du texte de Marc, des figuiers annonciateurs d'un nouveau départ. L'espérance, qui est autre chose que l'optimisme, sauve bien du monde. On sait tous que un mot prononcé avec bienveillance engendre la confiance. Une pensée exprimée avec bienveillance engendre la profondeur. Un service accordé avec bienveillance engendre l'amour, disait là-haut Tétu. Dans le texte, ce que l'image du figuier suggère, c'est d'être au milieu des ruines quotidiennes du monde, d'infatigables bâtisseurs d'espérance, d'être la lumière alors que le soleil s'obscurcit, des témoins de la compassion alors que le désintérêt règne autour de nous. Il faut être des aimants et attentifs aux autres au milieu de l'indifférence générale. Ok, oui, on n'aurait jamais vu autant de gens indifférents, centrés sur leur propre petit bobo. Je vous offre une autre image, celle des berce-neige de nos printemps. Ils sont très fragiles. À tout moment, elles risquent d'être écrasées, mais elles sont des annonceuses de jours meilleurs. Nous sommes appelés à absorber la pollution
dans les idées de ce monde, dans les comportements bizarres de ce monde. Nous devons être des personnages qui réchauffent discrètement les cœurs broyés. À bien songer, le texte de Marc fait de nous des personnages, des convertisseurs de bien, des personnes qui émergent dans l'air lourd que le monde respire, soit par les nouvelles qui nous font paniquer. Il faut répondre au mal par le bien. À tous les discours sans espérance qui circulent, offrons-nous un personnage d'une beauté d'avenir bien fragile, mais que rien ne peut détruire. Et cette beauté se voit, disait le pape François, qui savent s'arrêter pour offrir un peu de pain, œuvrer pour redonner de la dignité à la personne. Vous savez sûrement, ou vous croyez sûrement, que chaque personne est une histoire sacrée. Avez-vous déjà entendu ceci? Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. Toute mon espérance, ma foi est dans cette petite phrase. Voilà, je te souhaite une bonne réflexion et aussi une très belle journée.